T'as vu, j'ai tout sacrifié pour toi. Hé, il t'a rien demandé. Voilà, je te le dis tout de suite. Il t'a rien demandé. Tu as fait le choix de tout sacrifier pour lui. La plupart du temps, c'est toi qui décides de tout sacrifier parce que tu l'aimes. Parce que je l'aime. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Moi ça lave de matognon comme d'habitude. Bref, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet, ça lave de matognon comme d'habitude, parce que bon, la vie c'est comme une tartelette, il faut la savourer du début à la fin. Du coup moi je vis selon la crasse, j'espère que vous aussi. Anyway, évoluons. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on va parler d'un syndrome qui me touche personnellement, et peut-être vous aussi, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce que je décris. Je souffre du syndrome de toi d'abord, moi après. Vous voyez de quoi je parle? Oui? Non? Ah, non? Ok, bon, explication, ok? C'est souvent un syndrome qu'on voit quand on est en couple, ok? Quand on est en couple et qu'on aime quelqu'un, ok? Et qu'on ne se voit pas vivre sans lui ou sans elle, hein? Bref, que tu ne te vois pas vivre sans lui parce que l'amour que tu ressens pour lui est doux. C'est doux comme la canne à sucre. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces moments-là, tu aimes tellement la personne que clairement, elle devient ta priorité première. C'est-à-dire, ton objectif premier dans ton existence, à partir du moment où tu as cette personne dans ta vie, c'est de lui faire plaisir. On va pas se mentir. Ça touche souvent les meufs. Les meufs sont souvent coupables de cette activité. Anyway. Les gars aussi. Mais en général, les potes les appellent canards après. Donc du coup, ils se calment un peu. Mais bon, ouais. Les nanas souffrent beaucoup de ce syndrome, mais on considère que c'est normal. Mais plus maintenant, pas moi en tout cas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que les nanas, elles arrivent à un niveau où tout, je dis bien, tout est focalisé sur la personne en question. C'est-à-dire, c'est sa priorité à elle. Tout en pensant que la plupart du temps, la personne qui est la priorité, elle reste sa première priorité. Elle t'aime, ok, mais elle s'aime aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que la plupart du temps, c'est un problème qui vient d'avant. C'est-à-dire que personnellement, tu n'avais pas forcément un amour très intensif pour ta personne et une estime pas très active. Donc tu ne te battais pas forcément pour réaliser tes rêves, tu faisais pas forcément des trucs qui t'intéressaient. Enfin, anyway, t'es là, tu vis, mais voilà. Et là, t'as quelqu'un que tu aimes. Donc du coup, toute cette frustration-là d'absence d'affection pour soi, tu la déverses en fait sur quelqu'un d'autre en mode « Lui, je l'aime vraiment. » Bah, tu vois, cet amour que tu as pour lui, c'est bien, mais tu es supposé aussi t'aimer un peu. Peut-être pas au même niveau, parce que là on va dire c'est de l'ego ou Dieu seul sait quoi, mais t'es censé t'aimer autant au point d'être d'abord ta priorité, de t'accomplir toi d'abord et l'aider s'il y a besoin. Ouh, j'ai un message. Ou de l'aider lui après s'il y a besoin, tu vois ce que je veux dire? Mais ton but n'est pas de réaliser sa vie à lui, ne pas l'aider à accomplir ses rêves à lui, de le propulser, tu vois ce que je veux dire? T'es pas un moteur de voiture, faut te détendre, mon ami. Ton destin à toi, c'est de t'accomplir. Parce qu'après, en plus, si demain ça se passe mal avec ton tonton, tu vas dire, t'as vu, j'ai tout sacrifié pour toi. Hé, il t'a rien demandé. Voilà, je te le dis tout de suite. Il t'a rien demandé. Tu as fait le choix de tout sacrifier pour lui. La plupart du temps, c'est toi qui décides de tout sacrifier parce que tu l'aimes. Parce que je l'aime. Ok, écoutez, moi aussi j'étais amoureuse et je l'ai fait, anyway. Mais cela n'empêche pas que. Oui, j'aime beaucoup maîtresse, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous pose un problème. Bref, anyway, le souci c'est que quand tu es dans ce syndrome là, bah en fait, toute ta vie ne dépend que des autres. Ta vie est à travers les autres, donc en soi, tu vis encore une fois par procuration. Vous voyez le lien, vous voyez comment je suis balèze, vous voyez comment j'entrelis mes vidéos, tout ça. Non, Ingo est scénariste. Bon, je m'en saisis, excusez-moi, je me suis enflammé. Bref, tout ça pour dire que moi, personnellement, ça se manifestait sous toutes les formes. C'est-à-dire, à partir du moment où j'avais de l'affection pour quelqu'un, ou que c'était mon ami, ou quelqu'un. C'est-à-dire, peu importe le type d'échange. Je pense que le pire. C'était mon cousin. Celui que vous avez vu dans l'autre vidéo avec lequel je m'embrouillais concernant Beyoncé. Enfin, je pense que vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, à un moment il est venu faire. Normalement, vous l'avez vu. Oui, lui là. Mais alors, lui, je considérais que c'était ma personne. C'est-à-dire, j'avais pas besoin de le partager. Il était à moi. C'est-à-dire. Je pense que, heureusement qu'entre temps j'ai changé parce que, purée, s'il avait une girlfriend aussi demain il devait se marier, mais là, gros, je lui ferais la misère! C'est-à-dire, pour te dire, je voulais même pas le partager avec mon frère et ma soeur, pour vous dire, c'est-à-dire, ça me foutait le seum de devoir le partager. Et je vivais, c'est-à-dire, si lui il m'appelait pas, s'il venait pas me voir, si. Ouh, la faut se détendre, vous voyez? Non, lui c'était chaud quand même, parce que j'allais dans des bails. Non.
possessivité au-delà du commun. Salut ! Je disais, c'est ma famille, c'est ma personne, parce que moi je suis là pour lui, donc lui il est là pour moi, et c'est mon poteau sûr, lui forever together. Oui, forever together, mais je peux pas vivre par procuration de sa vie à lui. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux pas devenir le centre de son monde vu que c'était mon. Non ! Et une vie. Comme lui il a une vie. Donc du coup, comme il a une vie, il ne va pas te consacrer 100% de son temps. Tu vois le... Voilà. Tu te dis, mais frère... Vous voyez à quel point j'étais perdue. Vous voyez à quel point ça va loin. Voilà, moi j'étais vraiment dans l'abysse. Tu vois, genre, il y a le trou, tu peux tomber par hasard, tu te tords la cheville. Non, moi c'était tout mon corps qui tombait dans le trou, genre, et je ne voyais plus la lumière. Tellement le trou était... Vous voyez ? Et là, je me suis rendu compte que, mais attends... C'est bien beau tout ça, d'aimer les autres, et de les propulser vers le haut, et de vouloir leur monopole, tout ça, mais anyway, je n'aurai jamais leur monopole. Enfin, je ne pourrai jamais les avoir dans ma poche, que c'est mon précieux, voilà, premièrement. Et eux, ils réalisent des choses, et toi, tu es là, tu manges des pâtes, ma sœur. Tu manges des pâtes ! Et l'exemple parfait, c'est souvent des trucs, des histoires qu'on te raconte, genre en mode... Des hommes qui disent, ouais, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Parce que les gros aiment faire ça, genre être derrière et dire, oui, deviens machin, fais ceci, la vie s'est sacrifiée pour son mari. Wow, ce n'est pas romantique. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ce n'est pas romantique. Non, non, non. Oui, effet Véronique Sanson, si vous n'aviez pas compris. Je risque de faire ça souvent dans d'autres vidéos, parce que j'adore faire ça en ce moment. Comme manger des pâtes. Anyway, donc du coup, non, ce n'est pas romantique, non. Tout ce que moi je retiens, c'est que, un, à la fin de ta vie, dès qu'il y aura un problème, tu vas lui rappeler que j'ai tout sacrifié pour toi. Ou genre, si le gars te trompe, il sera, oui, je t'ai pardonné, et maintenant tu refais. Et meuf, tu lui as clairement fait comprendre que tu étais son tapis, que tu étais son échelle pour qu'il monte. Donc forcément, il va te monter dessus, à un moment. Respecte-toi, respecte-toi. Oui, parce que YouTube maintenant nous interdit de mettre des musiques, donc je ne vais pas... Expect yourself, je me mets à chanter ça, je vais me retrouver dans des problèmes... Non, c'est bon, merci. Bref. Je sais que cette vidéo est un peu trop expressive, et moi-même je transpire, il fait chaud en ce moment, la caméra même a chaud aussi, elle est en train de m'indiquer qu'elle va bientôt s'éteindre, donc on va s'arrêter là. Anyway, hein, si vous avez des questions, ou si vous voulez que je développe un peu, commentez, et puis likez comme d'habitude, on s'aime, vous m'aimez, on échange, on partage, dans la bonne humeur. Bref. Que la grâce vous accompagne. Passez une journée douce comme une patate farcie au lardon. Anyway, love you guys. Que la grâce vous accompagne.